Mais... Acte 6, Gloria. Appartement de Gloria, 10h. août 90. Cher journal, c'est la merde. Ça fait 5 mois déjà. Plus le temps passe, plus j'ai l'impression que tout ça n'était qu'un mauvais rêve. Comme c'est pratique. Malheureusement, la ville est toujours là pour me rappeler que c'était réel. Les regards des gens à la dérobée et empreints de pitié ou de honte, la ville me regarde tout le temps. Peut-être qu'ils font aussi partie de mon rêve. Peut-être que les 20 dernières années ont été qu'un long songe et que je vais me réveiller d'une minute à l'autre. Maman me laisse dormir encore un peu. Quand elle me réveillera, on prendra le petit déjeuner dans la cuisine, tartines de confiture et chocolat chaud. Et elle me déposera à l'école. Ouais, faut ranger sa chambre, Gloria, un peu cette merdier là. Je pense que leur pizza serait ok de faire mes vaisselles contre un petit billet. Document juridique. Déclare certainement pour les frissons et de la nausée. Une foule massive surgit, riant et pleurant, puisque les images de cet événement se propageaient à travers le monde. Saumon pepperoni. Je garde une tranche pour plus tard. Saumon pepperoni. Oh non, hein. Ah ouais, c'est moi. Quoi? Et là, imaginez un instant. Je sais où tu habites. Bob. Fin de game. Incroyable. Ça fait des jours que j'essaie de t'avoir. Désolé maman, je m'occupais de choses. Je viens de te réveiller, il est déjà midi. Oh, ta gueule. Je suis debout. Je faisais des trucs. Genre d'accord cet après-midi? Oui, oui, bien sûr. Métro Saint-Michel à 16h30. Et s'il te plaît, ne sois pas... Je serai à l'heure, ouais, 16h30. Oh, écoute maman. Alors comment tu te sens? Toujours c'est... Elle mange des pancakes, c'est horrible. Elle mange des pancakes, là, vous avez vu? Ce monstre est aussi inoffensif qu'un éléphant rose maintenant, tu sais. Je sais, maman. On dit qu'il sera dans un fauteuil roulant jusqu'à la fin de ses jours. Il ne peut même pas tenir sa fourchette, alors tenter quoi que ce soit d'inapproprié. Il a encore envie, hein. Quand je pense que tu as appelé les secours pour lui en partant... Merci maman, je me sens beaucoup mieux maintenant. Oh la vieille peau quand même. Hein. Attends, je pense à votre vieille peau. En parlant de se sentir mieux, tu as répondu à une des offres que tu as reçues. Encore une fois, je ne veux pas que mon histoire termine en tête de gondole à la Fnac ou que Sophie Marceau crève l'écran avec mes pires cauchemars. Sophie Marceau, ce serait merveilleux. Elle est intéressée. Maman, ça suffit. Qu'est-ce qu'il a vieilli un peu, non? Désolé chérie, je ne voulais pas te contrarier, je pense juste à tes intérêts. Oh. D'ailleurs, peut-être que tu devrais... Quoi, faire un régime? Arrêtez de me faire du souci parce que ça fait des rides. Peut-être que tu devrais faire un petit voyage. Je feuilletais ce catalogue d'agences de voyage et leur coiffe de croisière est admirable. Que dirais-tu de cette nuit sur la Méditerranée? À la découverte de Venise et Athènes par les eaux. Un petit cadeau de maman pour sa courageuse fille. Enfin, il y a un mélange de Stéphane Bern dans ma voix, là. Oh non, la duchesse d'Aquitaine. Bref, Stéphane Bern sur 20. C'est très gentil, mais je ne pense pas que c'est une croisière qu'il me faut. Un psy. Ce dont j'ai besoin, c'est de remettre le pied à l'étrier. Demain, j'appelle Aldo, pour voir ce qui se passe au Swan. Aldo, le Swan? Oh, ma chérie. Pas encore. Qu'est-ce qu'il y a avec le Swan? Je ne veux pas te faire de peine, mais... Tu sais quoi, je m'en fiche, maman. Les signes noirs, les éléphants roses, j'en ai plus rien à faire. Oh, fais un câlin, la mamounette. Oh non, le petit câlin. Cabaret le Black Swan, 19h. Ladies and gentlemen, très chers amis, pour la dernière performance de cette soirée, le Black Swan a l'honneur de vous présenter la fascinante, la mystérieuse et superbe Lady Gloria. Ah.
Ah merde, je m'attendais vraiment à un truc en mode incroyable. Alors, Bob n'est pas dans le public là. Parce que visiblement, le Black Swan n'est plus. Ouais, mais Aldo, il a voulu changer de star, hein, voilà. Ah. Ah, c'est Aldo là. Petit coup de vue, Aldo, en 6 mois, le Black Swan, hein. Gloria. Aldo! Ça fait un bail. Eh ben excuse-moi, j'étais en train de mourir en fait. Que... Il se passe quoi ici? Tu veux dire au revoir au lieu? Comme c'est gentil. Pourquoi tu parles? C'est la fin de ce monde, Gloria, on a perdu. Quoi? L'année dernière, tu as dit qu'on allait s'agrandir, embaucher de nouvelles danseuses? Tu savais que les aigles à tête blanche savent nager? Ok, Aldo, full bourré. Des aigles à tête blanche, qu'est-ce que tu racontes? Parfois, quand un aigle plonge en piqué sur un poisson et le manque, ses ailes se retrouvent trempées. Quand ça arrive, cet habile et mortel prédateur ne peut pas reprendre son envol. Le voilà à la merci de Mère Nature. Pour survivre, l'aigle nage minablement jusqu'au rivage d'où il peut sécher ses ailes. Ce n'est qu'à ce prix qu'il peut reprendre son envol et vivre un jour de plus. Tu es l'âme du Swan, Gloria. Et moi, cet aigle en danger est prêt à tout pour atteindre le rivage avant de sombrer sous le poids de mes dettes. Et la tournée américaine avec toute la compagnie du Black Swan? Quoi? Dans nos rêves. Je sais pas qui t'a raconté ça, mais il n'y a jamais eu de tournée de prévu. Ah, le fumier de Bob. Quand c'est comme ça, on jette l'éponge face au cinéma et aux salles d'arcade. Les salles de cinéma, les salles d'arcade, c'est qu'une question de temps avant qu'ils ne se fondent comme nous. C'est les années 90, Gloria. Le rideau de fer est grand ouvert. Une chape de plomb est tombée sur notre petit monde de nostalgie bon marché. Des films VHS au Chénifi. Les gens choisissent le divertissement à domicile plutôt que de sortir de chez eux. Ah. Génération Netflix, hein, tout ça. Les salons accélérants, télévision par satellite, lecteur CD, home cinéma. Ils nous tuent à 60 images par seconde. Mais dis pas que le son va devenir un vidéoclub. Ah non, mais tu vas pas aimer ça. J'ai signé un contrat avec une chaîne de fast-food. Ah. T'as troqué tes danseuses contre des burgers, sérieusement? Je sais, ils m'ont fait une offre très correcte. Et puis je garde ma position de directeur général. Pas mal. N'importe quoi, qu'est-ce que tu connais en burger d'abord? C'est vrai, ce n'est pas vraiment du ketchup qui coule dans mes veines. Et les milkshakes, c'est pas mon truc. Tu sais ce que je connais bien, Gloria? Les aigles à tête blanche? Les gens. Qu'ils veulent, ce que je peux obtenir d'eux. Quel corps tirer, avec quelle force. Ce qui compte, c'est de comprendre les gens, ça a toujours été comme ça. Tu m'as même pas appelé pour le dernier spectacle. Pour le chant du cygne. Bien sûr que si, c'était il y a 2 semaines, mais t'as pas décroché, ton répondeur était plein. Ah, ouais. C'est triste pour Gloria, quand même. J'aurais jamais dû revenir ici, tu m'étonnes. En fait, le chant du cygne est un mythe, Gloria. Ces volatiles n'émettent pas de chants somptueux au crépuscule de leur vie. Ils se cachent quelque part et meurent comme nous tous. Alors, je connais que deux noms, d'art, mais j'ai pas vu à quoi ça ressemblait encore. Comme notre petit monde de nostalgie bon marché. Alors, évidemment, c'est pas fini, hein. Alors là, il y a plein de nous. Lâche, foutez-moi la paix. Barrez-vous les Gloria, là. Alors voilà, elle. Oh non. Laissez, oula. Jean-Michel Grammer. J'ai assez donné, j'avoue. Non mais stop, les amis. Répondez, je vous en supplie. À l'aide. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, Gloglo. Gloglo? Elle me lâche pas.
Elles sont comme nous. Vous... Vous êtes pas comme moi. Super, Gloria xénophobe. On respire, chat. On respire, j'ai dit. Je suis l'alpha et l'oméga. Vous êtes pas comme moi. Gloria Maréchal Le Pen, quoi. Vous êtes moi. Ah bah non. Et oui, c'est des parts de nous, tout ça. Espoir. Qu'est-ce que je fasse là? Je ouvre ça comme tout à l'heure, hein, attendez. C'est le bon truc, pardon. Intuition. C'est l'œuf de Yoshi. Malum, malum. Merde. Courage. Ok. YOLO! Oula. Oh mon dieu, c'est extrêmement lumineux. Ah bah... Donc voilà l'étage. Ça y est! Ah, je suis crevé aussi, là, j'en peux plus. Ah, ce l'esprit de fou, hein. Compassion. Mais quoi? J'ai tout fait pour que ça marche, tout. Oh non, c'est Bob, ça. Un mot, Gloria. Attends, il est pas revenu, là. Non, je crois qu'il était dans ma maison. Si c'est lui au téléphone, je vous jure. À toi, Bob. À toi. Ah non, c'est bon. Gloria, ma chérie. Pour ce midi, ça te dérange, je reporte. Tu es sûr? Justement, une bonne nouvelle à t'annoncer. Eh bien, tu peux me la dire maintenant. Ou une autre fois. Et d'ailleurs, je sais pas si tu t'en souviens, mais à 19 ans, tu m'as promis une voiture si je trouvais un boulot dans la danse. Une d'occasion pour faire des tournées, etc. Oui, je m'en souviens. Et tu as décroché cet emploi au Black Swan, mais je n'ai jamais reparlé de la voiture. Peut-être que j'espérais que tu reparles, toi. Enfin, pourquoi tu veux une voiture à Paris? De toute façon. Non. Non. Pour l'amour de Dieu. C'est Joy. Salut.
Désolé, j'étais au téléphone, ma mère. Oh, c'est Joy. Non, c'est pas Bob, c'est Joy. Elle revient, elle, cette connasse. Pardon. Elle a une bonne nouvelle à me partager, apparemment. Vraiment, je ne savais pas qui appeler. Et Joy à la rescousse. Ah, frimeuse. J'ai plaisir de te voir. T'as soif ? Non, t'inquiète. Tu changes de quartier. Je l'ai assez eu, cette ville. Je quitte Paris. Ah, tu vas où alors ? Je sais pas encore, dans le sud, je pense, vers l'océan, je verrai en chemin. Ah, bonne idée, ça. C'est quoi le programme ? T'as dit que t'avais besoin de mon aide ? Ouais. Je dois retourner au musée. Je vais avec la statue. Alors, je sais pas si tu sais, mais la prisonnière de bronze, on dit que c'est devenu la mecque des cinglés. Je crois pas que ce soit malin que t'ailles là-bas. C'est comme s'il y avait un fantôme. Il est là-bas qui garde prisonnier une partie de moi. Un fantôme ? J'avais su, j'aurais apporté mon crucifix. Désolé, Glo, je suis débile. C'est vrai. Avant d'idéal, la statue disparaîtrait comme par magie, pouf, plus de traces d'elle. Ça marche pas comme ça, je vais quitter Paris, tandis que la prisonnière de bronze continuera de satisfaire la curiosité de tous. J'ose pas imaginer par quoi t'es passé. Ah, c'est pas facile. Ça va aller, merci. Alors allons botter le cul de ce fantôme. De Bob, ouais. Bob. Bob. Fondation Saint-Louis pour l'art, 10h30. Ah. La souviens-nous ou pas la connasse, là ? Je me sens toujours bien ? Coucou. Je sais plus trop, là. Salut, Celti. Ah oui, c'est le jeu d'horreur, là. On arrive à la fin. Toi qui vois, on peut se tirer si tu veux. Aller au ciné ou boire une bière sur les quais. Ne plus penser à toute cette merde. C'est bon, ça va aller. Deux entrées si vous. Non, c'est que des souvenirs, c'est que des souvenirs. Ce ne sont que des souvenirs. Calmons-nous. Ce sont des souvenirs. Je crois que je vais devenir avec une masse planquée dans un sac. Pour la statue, tu veux dire ? Les médias s'en donneront un cœur joie, on te lâcherait plus avec ça. Ah. Les trucs ont changé là. Ah, qu'est-ce qui est arrivé à la prisonnière de bronze ? Donc il y a quelqu'un qui est déjà venu. Ça dit, l'art venge la vie, de façon polie de dire vive de merde. Ah. Un bassin, personne n'est en train de se noyer dedans. Francisco de Goya. Un aveugle noyé dans l'ombre, ok. Là, on peut pas voir. Il a même pas fini son tableau. Ça peut dire que son ressent cette femme, hein, était effacé. T'as remarqué le chien ? Il y avait une flaque de boue. Je queue dans le couloir de mon immeuble. Joy. Oula. Oula. Non, non, qu'est-ce qui se passe ? Non, non. Non, reviens. C'est un travail en cours. Joy, retourne voir Gloria. Oh. Mais non, on est parti. Gloria! La statue. Elle s'est envolée. Il y a moi au fond, vous avez vu. Bois de Boulogne, 11h30. Oh, elle va revenir à l'endroit où le mec... On dirait une flaque de boue. Oh, le tableau nous indique à l'endroit où il faut revenir. Berthe Morisseau, Bois de Boulogne, 83. No way. J'appelle ça plutôt travail en cours. L'art venge la vie. OMG.
OMG. Ah, oh, c'est Bob. No fucking way. C'est Bob. Attends, c'est lui du coup le truc de Saint-Louis, ce jeu. C'est Bob. Ah, Bob est un con. Gloria. Oui, c'était une tête de clébard aussi. C'est toi. Comment vas-tu depuis? Ce que tu vois te dérange. Désolé l'immeuble. Bob! Ce que tu as fait de moi, une flaque sur roue. Oh ta gueule, Bob. Ferme ta putain de gueule. Au moins t'as évité la prison. J'ai évité la mort aussi, mais je l'ai frôlé. Frôlé d'un peu trop près. Oh, bouhou, je suis désolé. Oh, c'est bon. Bob Lennon, non, non. Personne ne mérite cela. Bah, elle pleure maintenant. Oh, bon. Dis-moi, c'est de la pitié ou de la culpabilité ce que j'entends là? Tu sens mal pour le paria que tu as tenté d'assassiner? Tu devrais pas trop t'en faire pour moi. Je déteste porter des couches. À la clinique, je suis mieux qu'à l'hôtel. Le lit est confortable et la cuisine est bonne. Peut-être pas aussi bonne que celle que je te faisais. Bob, tu casses les noix quand même. Hein. En prenant soin de moi maintenant, les infirmières changent mes draps et me lavent le dos. Et puis je ne suis pas trop loin du bois de Boulogne. Notre endroit. Tu ne t'en souviens pas, tu avais perdu connaissance, mais c'est ici qu'on s'est fait un câlin pour la première fois. Ah mais le... Mais c'est pas possible! Ouais, quand j'étais inconsciente, gros dégueulasse. Avant que je te ramène à la maison. Ferme-la. Bah oui, mais sinon je te tue en fait. Et pousse-le dans la Seine. Des jolis souvenirs, quoi de neuf de ton côté? Danse toujours, des nouveaux projets dont tu aimerais me parler? Ça suffit, enfoiré. T'as peut-être échappé à la prison. Mais t'échappes pas à ça. Oh, t'échappes pas à ça? Oui? Attendez, Glorla, plaît. Marche pas! Je peux pas appuyer! Non! Ma manette! Ça marche pas? Qu'il faut que je fasse? Mais j'appuie, y'a rien qui se passe. Elle le fait pas. Elle le fera pas. Non, elle le fera pas. Non, c'est pas au clavier, elle le fera pas, elle le fera pas. Putain. Au revoir, petite flaque. Qu'est-ce que tu dis après tout ce que je t'ai fait? Tu sais ce que je le mérite? Putain, elle le tue pas? Vas-y, fais-le, t'as juste à me pousser un peu. Oh, on peut pas le tuer? Ah non, non. Reviens, fils, que tu as commencé chez moi. Gloria! T'en supplie! Aie pitié! Ah, c'est mieux de le laisser c'est mieux de le laisser souffrir, en fait. Juste un petit coup de pouce pour ce brave Bob, s'il te plaît. Ta gueule, Bob. C'est ta vie, fais-le toi-même. On tue pas Bob. Après Bob il a l'air d'être dans la merde hein.
Ah, j'aurais bien aimé qu'elle le tue, j'avoue, moi. Coucou. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Si, il est tard, là. 1h du matin, les amis. Je disais peut-être qu'on pourrait... faire la fête ce soir. École demain. Ouah, génial! Et ça va être une super soirée! Mais ça, mais c'est un chien à l'entrée là! Regardez le videur! Salut! Je peux? Bien sûr! D'amour. Oh, c'est Pétrus! Travail élargi demande beaucoup de sensualité, vous savez. Mes souvenirs, c'est froid et ça sent la boue. Yo, je fais, il n'y a que le marbre qui vaille pour une femme de votre qualité. Ferme et délicat, une aura diaphane. L'image des muses de l'Antiquité. Tout doux, Apollon. Vous me convaincrez personne dans les traitants de l'Antiquité. Les forces de caractère, vous serez donc du genre granit. J'adore. Ouais, vous tchatchez ma mère là. Ça va, vous d'amour? Pourquoi tu road trip? Il a encore changé d'avis, tu sais. Quand c'est passé en tournée de avec lui et son groupe. C'est 60 chéri aujourd'hui. Et on reste pas sur le siège passager. On va où on veut et comme on veut. Tout ira bien, maman. Moi, toute seule, je ne sais pas. Il y a quelqu'un avec qui partir. Ah! Attends, mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Presse grise, tu es là. C'est sûr que je suis là, la petite est là aussi. Une enfant dans une mode de nuit? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Je suis content de te voir avant le départ. Il est temps pour toi de découvrir de nouveaux horizons, de laisser les courants te guider. Exactement. J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades. Du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants. Les écumes de fleurs ont bercé mes dérades. Les d'ineffables vents m'ont ailé par instant. C'est ta soirée, Gloria. Profite. Ah, c'est la fête dans sa tête, hein. Ah oui, c'est la fête dans sa tête, là. Une longue histoire. Bonjour, ça va, toi? C'est en cache, je suis contente de te revoir. Heureuse, elle est. J'ai jamais imaginé qu'il y avait un visage de 6 millions là-dessous. Ah, gentille. Mon roi meilleur, mieux que sous-sol. Tiens, ce lieu, le nest sera toujours ouvert pour nous. Alors, c'est autant que tu veux. Son nouveau, mon nouveau lieu. Tu l'as invité? Aldo, je sais, il peut être un sacré trop duc, mais sans lui, je serais bien. J'adore l'énergie. Il lui manque toujours dans l'équipe, tu sais. Ah ouais, Stéphanie. Oui, monsieur Riviera. Entrées en chef des retourneurs de burgers. Super. Quelque chose de mieux. Quand on a eu son arrêt, d'un point de vue du business, on s'en sort clairement mieux. Je pensais pas que la nostalgie me fera attraper comme ça. Tu sais, quand t'es dans la galère, une belle opportunité s'offre à toi, pourquoi refuser? Je serais mal placé pour critiquer là-dessus, monsieur l'aigle mouillé. Ok. Tu m'avais pris pour un fou de te proposer ça. Fleur et bleu. Votre majesté et princesse, je suis occupé. Genre en colère contre moi, les gâteaux, les robes, tous ces trucs fantaisistes. Je sais que t'adores ça, mais je devais vraiment mettre un terme.
Pas grave, au fait, tu gères en tant que DJ. Ouais. Carrément, votre Altesse, cette musique, c'est un régal pour les oreilles. Cette vibe un petit peu new wave. Fin 80, là, tu vois. Salut. Bah, salut. Cool, le bar. La barmaid, sa tête me dit quelque chose. Oso, comment ça va? Lumis, qu'est-ce que je peux te servir? Qu'est-ce que tu me proposes? Tequila Sunrise, le Southside et le Sea Breeze. Dur de se décider. Prends ton temps, il n'y a pas de mauvais choix de toute façon. J'adore ton look. Ah oui, c'est la dame du musée, c'est ça. À l'histoire, là, je pourrais pas vous la résumer, là, c'est un peu trop long, les amis. Hein. Je vous inviterai à regarder les VOD. Sur YouTube, elles sortiront ce week-end, j'essaie de faire en sorte que ça. Allez, on va faire chauffer le dance floor, les amis. Ça va, Matsu, on s'est fait mindfuck par un jeu fantastique. Bon, très perturbant. Hein. Super cool. T'aurais dû montrer cet endroit la première fois qu'on s'est rencontrés. Et que c'est pas le chemin à l'époque. J'ai un peu galéré pour le trouver, pas de raccourci possible. Je vais faire un tour, tu restes là? Oui, à plus tard. La fois, tu m'as mis une raclée. En effet, je suis pas du genre à me laisser faire. J'aurais aucune chance contre mes bombes caloriques si on faisait le match. Je vais te battre pour de vrai ou juste jouer à la marée là? Vas-y, cool Raoul. Dans quoi? Oui, c'était vraiment un jeu d'horreur, oui, tout à fait. Vraiment un jeu d'horreur, oui. Très mindfuck, très déstabilisant. La tronche. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on s'en sort. Ouh. Ok. Je vais prendre ta couronne pour ça. Loclo, et petite. On se fait un cache-cache? Non. Le truc à faire. Alors c'est bon, on s'arrête. Hein. Tu comprends rien? Non mais là en même temps on est à 6 heures du jeu. Là, c'est impossible de vous expliquer ce qui se passe. Là, je suis désolé. Là c'est trop quoi. On avait juste le temps de... On mettait le feu à la scène avec grâce. Confiance, on était les meilleurs, on s'amusait bien. Mais attends, mais
Alors quoi pour finir là en fait? Qu'est-ce que je fasse? N'importe quoi là. Oups. Ça s'arrête quand? En gros, c'est juste l'opportunité pour nous de refaire les combats, je pense. Il fallait juste parler à Joy pour terminer, non? Exceptionnel. Envoie le son, j'ai besoin d'une pause. Non, c'est bon, c'est bon. C'est un jeu français. Je sais pas si c'est français le jeu, j'ai pas regardé vraiment tout le... Il est français, ok. Bon, c'est fini? Comment ça se passe? Tu veux rester plus longtemps ou on bouge? Je pense qu'on peut y aller maintenant, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Bon, par contre, la petite, elle gueule. T'as vu, elle s'est barrée en courant. On n'a pas joué avec elle, mais bon, faire un cache-cache dans la boîte de nuit, merci. Et alors, parce qu'on n'a pas joué avec elle à la fin, Bob va revenir nous hanter, vous allez voir. On peut acheter l'OST sur Steam. J'avoue que c'est tentant quand même, hein. L'OST est quand même pas mal. Pas d'ending parce que j'ai pas joué à cache-cache. Non! Coucou toi, on allait rentrer. Avant de partir, oui. Tu vas me manquer. Ça. Ça. Qui ça? Vous êtes moi toutes les deux, pas vrai? Gloria. Pour le voyage, j'aurais besoin de vous à mes côtés. Sans vous, c'est pas possible. Oh, t'es triste. J'ai pas compris qu'on se dise au revoir. Pour toujours. C'est pas le cas. On sera toujours là avec toi. Dans ta tête. Un jour on dira adieu à l'univers, mais à ce moment on n'est pas encore arrivé. Maintenant, va. Prends le temps d'observer les étoiles avec ton ami. Il reste encore un peu de temps que le soleil ne se lève. Un petit câlin à la gamine. Bon, ça. Que tu sois qui ça? Ça c'est un banger cette chanson, j'adore. Ou ça? Une Super 5 décapotable, la classe. Ah ouais, j'étais avec une Ferrari, mais c'est un autoradio Pioneer, alors tu sais. Je pense que ça y est. Ouais, il est temps pour toi de prendre la route. Avant de partir, j'ai un petit truc pour toi. Une boussole. Ah ouais, mais let's go hein. Je sais, tu pars pas faire un trek en Amazonie, mais je la trouvais jolie et quand tu te sentiras dans le creux de la vague, tu pourras la regarder pour retrouver les sommets. Et puis tu peux aussi la suivre la flèche quand tu voudras venir nous voir vers Paris. C'est un peu stupide comme cadeau en fait, j'aurais dû te prendre un pyjama. Non, au contraire, c'est plus beau que n'importe quel collier en or. On a la ref, nous.
Cool, t'as mon adresse, donc je sais pas. Envoie une carte postale, si t'as le temps. Oh, et pleure, bichette. T'es capable de me larguer, Joy, à un moment donné. C'est bon, là. Je pleure pas, idiote. Bah, tu fais quoi, là? Joy, fais gaffe à toi. Moi et toi, alors? Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de grave? On va pas faire une petite review des 6 derniers mois, Gloria, mais... T'es la meilleure, Gloria. Merci, Joy, toi aussi. Tu m'as beaucoup aidé parfois de façon que t'imagines même pas. Ah ouais, alors je suppose que je suis vraiment la meilleure. Bref, je voudrais filer si tu veux atteindre l'océan avant le coucher du soleil. Bon, ça va, c'est à 2 heures. Prends soin de toi, chaton. Un peu plus que 2 heures, quand même. Réservoir plein. Lune de soleil prête. Musique. À fond. Eh bien... C'est maintenant que ça commence. Je sais ce que ça fait quand tu reviens encore. Pour toi, je sais pourquoi et j'en demande encore. Nos regards à l'autre, les regards vers soi. Nos regards à l'autre quand ils viennent le soir. Cher contre cher. Ah, finir le jeu. Oh, c'est fini, les amis. Quentin de Beauclair. Non, non, j'arrête. Triple soir, ça fait 7 heures de live. Ah, je peux. Ah, je prends les étoiles, j'ai pas vu. J'attends la fin, il y aura sûrement un truc près de l'océan, donc moi j'attends la fin. Bonne nuit, Déméter, ça c'est qu'il est tard chez toi, Déméter. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce beau let's play. Merci aussi YouTube, parce que j'ai essayé de plotter ça sur YouTube si j'y arrive. Mais voilà, vraiment, merci beaucoup. C'était, ça fait plaisir de faire un jeu en one shot en stream. Je crois que j'ai rarement fait des jeux en one shot. Et j'ai rarement terminé des jeux en stream aussi. Et pour le coup, c'était trop bien de faire en one shot parce que c'est vrai qu'on est vraiment dans l'histoire et. C'était vraiment bien. C'était vraiment très très bien, je passais un bon moment. C'était. Je pense que ce jeu avait complètement sa place dans le Dawn's Horror Show. Hein. Je pensais pas me coucher si tard, hein. Je pensais partir à 23h. Hein. Je suis désolé. Je suis désolé, mais par contre, c'était incroyable. J'ai pas trop de regrets. Voyez. Bon, ça fait 7h17 de live, quoi. Demain sera plus court. Hein. J'espère que vous ferez des beaux rêves, vous, parce que bon. En termes de durée, ben oui, mais bon, moi j'ai un tournoi, donc il faut que je fasse ma petite pub pour le tournoi. Mais oui, je suis d'accord, sans Street Fighter ça aurait été mieux. Mais j'ai quand même envie de faire mon tournoi dimanche, donc. Ça y est, la mer, regardez! À la mer. Plus tard le même jour, putain, c'est pas fini. Pas vrai, mais c'est pas vrai. Oh, il va se taper sa mère. Oh putain, c'est vite. Il va foutre la mère à poil. Ah, il s'est tapé. Il a vu la fille à poil, la mère à poil.
Attends, mais du coup, c'est lui qui a récupéré la statue ? Que le génie déploie ses ailes. Et qu'un humble serviteur des muses. Aussi poussiéreux que je ne le pensais. C'est sous ce drap, je suppose. Ah, il a demandé la... Wait. Avoir la statue de sa fille ? La danseuse retirée des musées à tout jamais. Le conservateur était furieux, mais il me devait une faveur. Même quelqu'un comme moi peut se permettre d'être vertueux de temps en temps. Les muses doivent être fiers. Alors, c'est ici qu'elles se tiennent, pendant que vous tripotez votre bloc d'argile. Marrant que vous preniez comme modèle des femmes qui ont la moitié de votre âge. Alors qu'il y a tant de belles femmes au-delà de 60 ans. Et là, ces femmes de votre âge ont trop ou trop peu d'ego pour monter sur le socle. Jamais vous nous auriez posé pour moi. Eh bah super. Travers d'abord. Jamais avant de monter sur scène. Oh là, la Victoria, la reine, hein. Oh, juste un doigt. Oh, c'est fait, les amis. C'est fait. Bravo à tous.